La métaphore de l'album, c'est que j'étais au fond, dévasté, incapable de nager dans mes émotions. Aujourd'hui, j'ai bientôt fini de mettre tout ça dans mes sons. La musique m'a guidé, je lui voue une certaine dévotion. Et c'est l'histoire d'un petit rappeur dans une chanson sous-marine, tétanisé de peur au milieu d'une eau cristalline. Tu disais, comment tu fais pour comprendre tout ce qui va pas, tout en étant incapable d'y changer quoi que ce soit. T'as demandé pourquoi, j'ai répondu parce que je me déteste. C'était que des thèses, je voulais savoir jusqu'où je pouvais aller. Chaque TS était un poids en plus dans mon gilet lesté, poussé d'Archimède, une pression pour tout corps immergé. Donc oui, vous m'avez manqué, mais maintenant j'ai fait mon deuil. Je vous ai mal accompagné, destiné à mourir seul. Désolé, je me suis raté, désolé de pas être dans le cercueil. À ça, vous me l'avez bien souhaité, quand je m'en prenais plein la gueule. J'oublie pas tous vos procès et toute votre malveillance. L'hosto qui se fout de la charité, du moment que je suis dans l'ambulance, c'est bientôt terminé. Je reviendrai avec un peu de chance, c'est ce que je me suis répété tous les jours dans mon errance. Et t'inquiète même pas pour la suite, Just Kidding arrive, j'suis plus jamais prêt à prendre la fuite. Ça sortira quand ça sortira, un peu comme H2O. Si ça marche pas, j'aurai au moins rentabilisé le studio. Puis y'a eu cette folle idée de me faire photographier sous l'eau. J'ai forcé et on l'a fait, et putain qu'est-ce que c'était beau. J'ai inspiré ma rage, j'ai même arrêté de nager. J'ai assumé mes inspirations et j'ai pu expirer. J'ai vidé mon esprit et j'ai vidé mes poumons. J'ai compris où j'ai appris la plus importante des leçons. Et j'ai respiré sous l'eau pour la première fois de ma vie, ouais. Et j'ai respiré sous l'eau pour la première fois de ma vie. Non, c'est pas parce que t'es submergé que tu vas forcément mourir. Ouais, j'ai respiré sous l'eau. En vrai, je vais mieux. Merci à Aurélien, à Michael et Aurore, merci maman. Et par-dessus tout, merci Gauthier. J'aurais jamais cru qu'à deux on pouvait être si fort. C'est grâce à toi si aujourd'hui je peux continuer de rapper. Tout ce qui me pèse maintenant c'est bon, je vais laisser ça derrière moi. J'ai changé de vie en 2013, je continue en 2023. Y'a toujours une première fois pour se jeter à l'eau. Écris ton histoire, laisse personne t'emprunter ton stylo. Ouais, j'ai inspiré et j'ai expiré. Ouais, j'ai pu respirer. En vrai, je vais mieux.